les centrales thermiques. Une centrale thermique est une unité de production électrique qui tire son énergie d'une source de chaleur. L'origine de cette source de chaleur dépend du type de centrale thermique. Il existe quatre types de centrales thermiques. Voici par exemple la centrale thermique de Porcheville. Dans une centrale nucléaire, l'origine de la source de chaleur est un combustible fissile, comme par exemple les noyaux d'uranium-235 ou de plutonium-239 qui vont subir la fission. Dans une centrale à flamme, l'origine de la source de chaleur est un combustible fossile, comme par exemple le gaz, le charbon ou le fioul. On peut aussi utiliser les déchets industriels ou agricoles et les déchets ménagers. Dans une centrale géothermique, l'origine de la source de chaleur est l'énergie géothermique profonde, c'est-à-dire la chaleur contenue dans la terre. Dans une centrale solaire thermique à concentration, l'origine de la source de chaleur est la chaleur reçue par le soleil. Dans une centrale thermique, la source de chaleur sert généralement à générer de la vapeur d'eau. Celle-ci entraîne la rotation d'une turbine couplée à un alternateur, créant ainsi de l'électricité.